La vidéoprotection. Toujours plus présente, toujours plus sophistiquée. Des caméras gérées par des policiers pour lutter contre la délinquance. Une idée qui est née à Roubaix en 1990. Souriez, mesdames, vous êtes filmées, et pas seulement par FR3. La police municipale, elle aussi, vous épie. C'était une promesse du maire, André Diligent, lors de sa campagne en 1983. L'insécurité, la violence ne s'arrêtent pas aux anciens d'octroi. Et puis, je crois qu'il y a, sur le plan matériel, un certain nombre de techniques nouvelles à rechercher. Ces nouvelles techniques, 12 caméras déployées dans le centre-ville. À l'époque, aucune loi n'encadrait la vidéosurveillance et les habitants étaient mitigés. Ça, c'est très bien. Ah ouais. Vous pensez que c'était un bon moyen de lutter contre la délinquance à Roubaix? Ouais. De là-haut, non, je crois pas. Peut-être. Après à peine 6 mois d'utilisation, la délinquance n'avait pas diminué du centre-ville de Roubaix. L'expérience pilote des caméras de surveillance partout dans la ville pour la police municipale ne semble donc pas avoir donné les résultats escomptés. Malgré ce constat peu probant, une autre ville se lance dans l'aventure 3 ans plus tard, en 1993. Cette ville, c'est Levallois-Perret, et son maire, c'est Patrick Balkany, qui faisait la promotion des caméras de vidéosurveillance. Il y a maintenant un sentiment d'insécurité pour les agresseurs potentiels, et je crois qu'ils ne viennent pas trop sur Levallois. C'est une bonne chose, ils font attention. Mais en plus, nous allons maintenant tripler le nombre de caméras par rapport à ce qui est déjà installé. Aujourd'hui, de nombreuses communes sont équipées de systèmes vidéo qu'on appelle désormais vidéoprotection. Et le débat autour de l'efficacité d'un tel système est toujours d'actualité entre les pros et anti-vidéoprotection.